Bonjour tout le monde, je tiens à vous présenter une super athlète, un futur espoir olympique, Marie-Lou Dauzois-Prévost. Comment t'es venue à entendre parler de Proactif, Marie-Lou? J'ai un mentor et aussi un commanditaire qui se nomme Charles Poliquin. Je pense que quelqu'un d'assez connu dans le milieu. Oui, et puis il m'a référé à toi, puis il m'a dit que ça serait bon pour mon entraînement, puis ce serait bon pour moi que j'aille te voir, donc c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à date, ce qu'on a, on a fait, ça a été l'approche nutritionnelle. Au niveau de la nutrition en premier, est-ce que tu as vu les changements au niveau de ton entraînement que ça l'a apporté? Bien, certainement, j'ai vu beaucoup. C'est sûr qu'on a fait tout pas mal en même temps, le haut levier, bas levier, puis la nutrition. Mais je dirais que globalement, ça m'a aidé, notamment pour ma récupération. J'ai vu une grosse différence. L'augmentation de ma force, ça s'est passé très rapidement. J'ai vu tout de suite des résultats. En moins d'une semaine et demie, je voyais déjà des gros changements, ce qui est quand même rare quand ça fait 10 ans qu'on s'entraîne. Dans mon humeur, dans mon énergie, dans la qualité de mon sommeil même, j'ai vu des changements. Donc vraiment, moi, j'ai vu que du positif, puis j'en ai vu beaucoup, donc c'était bien encourageant. Puis t'es la preuve vivante que dans un sport élite de haut niveau, au niveau olympien, ça peut très bien fonctionner, parce que t'avais entendu parler de moi aussi parce que j'entraîne beaucoup de fitness, n'est-ce pas? Exactement, oui. D'ailleurs, mon copain, il avait travaillé avec toi pour un concours de bodybuilding, donc c'est sûr que j'avais déjà vu comment tu travaillais, puis je trouvais ça intéressant. Mais de là à l'appliquer à, comme tu dis, un sport de haut niveau, j'étais pas sûre au départ, puis ça me faisait un peu peur, d'où mon hésitation au début. Puis j'ai vraiment aucun regret. D'ailleurs, comme je dis, après une semaine et demie, j'ai déjà retrouvé mes meilleures performances. C'est quand même dur de retrouver. Et puis une semaine et demie plus tard, je commençais à battre des records dans chaque mouvement. Donc c'était vraiment génial. Parlons de résultats, Marie-Lou. Bon, écoute, t'es allée à Pékin. Et puis ton rang à ce moment-là, ça a été quoi les rendements? Je suis arrivée 10e aux Jeux olympiques à Pékin. Et puis, plus dernièrement, je suis allée au championnat du monde en Corée, où je suis arrivée 12e, mais c'était une nouvelle catégorie de poids. À Pékin, j'étais dans les 48 kilos. Depuis ce temps-là, je suis montée dans les 53. Et puis, il y a plus d'athlètes aux championnats du monde que dans un jeu olympique. Donc, somme toute, c'était un très bon classement. 12e, c'était mon meilleur classement à championnat du monde à vie. Et puis, j'espère mieux pour le futur, oui. C'est un méchant bon rendement pour en très peu de temps. Tu es une athlète déjà, je suis comblée de pouvoir te coacher au niveau nutritionnel, faire des petits ajustements au niveau de la réhabilitation posturale qui peut vraiment faire écho, mais à très long terme dans ton sport. Merci beaucoup, Francine. Ça fait plaisir même. Soyez proactifs, puisque c'est votre santé.